Bonjour, c'est Ken. Alors, je me présente vite fait, je suis coach sportif et préparateur physique et sur cette chaîne, je cherche à vous montrer qu'on peut atteindre n'importe quel objectif physique et athlétique depuis chez vous. Je travaille principalement avec des petits accessoires, avec les élastiques et mon accessoire qui fait partie de mes accessoires favoris. Celui-ci, les élastiques, les sangles de suspension et aussi les haltères. D'accord? Je travaille aussi les haltères. Je n'ai pas beaucoup de vidéos encore sur les haltères. Il y en a quelques-unes, pas beaucoup. Je vais en faire de plus en plus. Donc l'idée, c'est vraiment pour montrer qu'on peut vraiment atteindre n'importe quel objectif depuis chez soi. D'accord? Là, je suis en train de préparer, je suis en cours de préparation d'un programme avec haltères. Okay, j'ai pour un mec élastique, j'ai plusieurs programmes. Vous pouvez aller voir mon site, hein, n'hésitez pas. Dans la description, vous allez voir mon lien pour accéder à mon site, voir tous mes programmes avec élastique, avec sans suspension, j'ai avec haltères et élastique. Là aujourd'hui, je vous propose un programme juste avec haltères et un programme complet. Donc, ce sera un programme que je suis en train de réaliser. D'accord? C'est plusieurs séries de vidéos. Donc, je vous fais part d'une de ces séances comme ça. Je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Il faut juste des haltères avec différents poids pour ajuster les poids. Je fais toute la séance avec vous. Vous avez juste à me suivre. Vous allez voir, ça change de beaucoup de programmes traditionnels parce que je suis dans la musculation fonctionnelle, un peu musculation préparation physique. Là, l'idée, c'est travailler le cardio, la musculature en général, la force, la forme, d'accord? Être en forme et chercher à prendre du muscle aussi, mais de façon athlétique. Donc, vous allez voir, en plus de travailler le muscle, on travaille le cardio, tout travail. Donc, je vous invite à faire cette séance et à la fin, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la séance. Allez, je vous retrouve à la fin de la séance. Ok, on est parti pour une nouvelle séance full body encore une fois. Donc on va s'échauffer tranquillement et on va attaquer la séance. Alors on va commencer à monter les genoux ici au niveau de la poitrine, chercher à mobiliser la hanche et mobiliser un peu le genou là, l'étirement, un étirement un petit peu dynamique sur le quadriceps, sur le fessier, on travaille tout. Ici là on va chercher à amener les talons en fesses, voilà, hop. Tranquillement, donc on cherche vraiment à activer et mobiliser les genoux. Pareil, encore un étirement dynamique sur les quadriceps. Ok, là on va chercher à jambes tendues, descendre le plus bas possible, chercher à étirer et revenir. Ok, un étirement dynamique. Donc j'étire, je reviens. J'étire, hop, je reviens. Ok, doucement. Ici, hop, encore. Encore une. Chercher vraiment les bas. Ok. Là, on va descendre en squat, le poids sur les talons. On part les fesses en arrière, bien le poids sur les talons. On va chercher à avancer un petit peu les genoux. D'accord? On mobilise un petit peu les chevilles. Donc, je cherche à avancer en gros le plus possible les genoux par-dessus les doigts de pied, mais en gardant les talons au sol. Il ne faut absolument pas que les talons décollent. Sinon, je mets une pression sur le ménisque. Donc, j'ai bien les talons au sol. Hein, les doigts de pied, là, je ne suis pas écrasé dessus. Je cherche à avancer les genoux le plus possible en gardant toujours les talons au sol. Ok? Là, je mobilise, je remonte doucement. Ok. On va faire quelques squats pour échauffer, d'accord? Donc on descend doucement. Hop, je remonte. Ok, je descends, je remonte. Tranquillement ici. Encore deux comme ça, amplitude complète. On descend, on remonte. Encore un. Voilà. Là maintenant, on va faire 10, mais sans tendre complètement les jambes, d'accord? Donc on descend complètement, on remonte aux trois quarts, hop, on descend. Là, d'accord? Allez, encore. Voilà. Faut que ça chauffe. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On va travailler les fentes. Donc les fentes, il y aura un travail. Donc les fentes, il y aura un travail d'équilibre. Donc un pied devant, un pied derrière. Donc l'écartement des pieds, vous voyez, largeur épaule pour être stable, bassin ou épaule, d'accord? Bassin ou épaule. Je mets le pied loin derrière, ok? Là, je vais descendre mon genou arrière au sol. Ok, c'est important, je vous montre. Ici, hop. Le pied arrière, donc le pied aligné avec le genou, pied avant aligné avec le genou, donc il n'y a pas de rotation du pied. Ici, je descends le genou au sol. D'accord? Après, on ne fera pas l'exercice de genou au sol, c'est juste pour comprendre l'exercice, c'est important. Donc là, j'ai un angle 90 degrés. C'est surtout ici, c'est important, les erreurs courantes, c'est ça. On étire trop fortement. Ici, on risque de se blesser au niveau du psoas. Et la deuxième erreur courante, c'est s'écraser sur l'avant du pied, talon décolle. Donc, je suis sur le talon de la jambe avant, j'ai la jambe arrière qui est bien fléchie. Et là, je remonte. D'accord? Je descends et je remonte.
Ok? On essaye une dizaine sur une jambe. Si vous avez un problème d'équilibre, mettez la main contre un mur pour vous stabiliser, pour vous glisser, d'accord? L'équilibre viendra après. Donc, on y va pour 10. On descend, on frôle le genou au sol. On n'est pas obligé de toucher le genou au sol parce que vous allez vous faire mal au genou. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on change de jambe. Hop, on prend le temps de se placer, on s'installe, on part peut-être le genou au sol au début pour trouver sa position, l'écartement des jambes. Alors, la jambe arrière peut être plus ou moins éloignée comme ça ou ici, d'accord? Plus elle va être éloignée ici, plus on sera sur les ischio-jambiers. Si on la resserre un petit peu, on sera un peu plus sur le quadriceps de la jambe avant. J'essaie de trouver le juste milieu, je cherche à travailler les ischio et les quadriceps, c'est pour ça que j'essaie de trouver un angle à 90 degrés. Je me tiens droit et on part pour 10. 1, 2, 3, gainez bien, 4, pour éviter d'être instable, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on va essayer avec un poids dans les mains, ici, pareil. On essaye 10 avec une jambe devant, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de jambe. Hop, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, moi, je tape de temps en temps, j'ai tendance à laisser mon genou aller au sol parce que mon sol, il est mou, c'est un tapis, d'accord, c'est un gros tapis, c'est pour ça. Je ferai en dehors de cette salle-là, mon genou ne taperait pas le sol. Donc, soit vous laissez votre genou aller au sol, d'accord, soit dans l'amplitude complète, c'est pas mal, mais par contre, mettez les tapis ou un coussin pour pas vous faire mal au genou, soit vous ne touchez pas le genou au sol, ok. On va essayer avec un halter, que 1. L'idée de l'halter, il y a deux intérêts. C'est plus lourd, déjà, je mets plus lourd. Et le deuxième intérêt, c'est travailler le gainage. Parce que je vais être instable, d'accord? Je vais être que d'un côté, ici. Donc je vais avoir tendance à être tiré sur un côté. Donc je vais activer un gainage pour stabiliser. On va essayer de le faire sur 5-6 reps pour voir ce que ça donne. Et encore une fois, au début, vous mettez la main contre un mur pour vous stabiliser. Et idéalement, après, c'est réussir à le faire sans vous aider. Ici, là, je descends, je remonte, d'accord? On fait 5-6, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, on essaie de l'autre côté. Hop, pareil, on s'installe tranquillement, on se stabilise. Ok, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, vous avez remarqué que là, souvent à côté, on est beaucoup plus à l'aise que l'autre. C'est normal, c'est tout le temps comme ça, on a un côté plus fort que l'autre. Donc là, on va attaquer, on va essayer 15 répétitions, on va essayer avec un halter pour l'instant, 15 répétitions. J'ai pas fini, j'ai autre chose à vous montrer. Avant, juste avant qu'on attaque, commencez toujours par la jambe où vous avez eu le plus de difficultés. Moi, en l'occurrence, ma jambe droite devant, je suis moins stable qu'avec la jambe gauche devant. Donc quand je veux attaquer, je vais attaquer avec la jambe droite devant. J'attaque toujours avec la jambe où j'ai le plus de mal pour pouvoir mieux me concentrer dessus. D'accord? Là, vous vous rappelez ce qu'on a fait au début, cet exercice-là. Étirer. D'accord? On va faire un peu le même mouvement, mais sauf que cette fois-ci, je ne veux pas arrondir le dos. Je vais garder le dos cambré. Donc je vais écarter les jambes ici, les jambes largeur bassin. Pas trop, juste largeur bassin, donc assez serré quoi. Ici, les jambes légèrement fléchi pour pas bloquer le bassin. Donc là c'est complètement tendu, je vais être bloqué dans le bassin. Légèrement fléchi, là c'est trop fléchi, d'accord? Légèrement fléchi. Je sors la poitrine le plus possible, ok? Et là je vais glisser les mains le long du pantalon. Les mains s'éloignent jamais du pantalon. Je glisse les mains le long du pantalon en poussant les fesses en arrière, d'accord? Je descends, je descends, je descends,
je remonte. Ok, l'idée c'est de garder toujours le dos cambré. Un bon moyen de réussir à faire cet exercice, c'est prendre un bâton, un manche à balai. Je vais essayer ici. Ouais, c'est pas terrible, mais c'est pour vous montrer. Donc avec un manche à balai, c'est mieux. Coller le manche à balai sur le bas du dos, sur le haut du dos, d'accord? Et vous devez sentir que le bas du dos et le haut du dos restent toujours en contact sur le ballon, sur le bâton, d'accord? Et là, en fait, on cherche à descendre ici et remonter sans que le bas du dos décolle du tapis, du bâton, là en l'occurrence du bâton, d'accord? Ou sans que le haut du dos se décolle non plus, d'accord? Donc ici, je sors la poitrine, je descends doucement, hop, je reviens. Et je fléchis plus ou moins les jambes, d'accord? Ça va dépendre de votre possibilité, d'accord? L'idée, c'est libérer le bassin, je descends doucement, hop, je reviens, d'accord? Ici. Ok? Travailler ça, c'est important parce que c'est la base pour le soulevé de terre. Le soulevé de terre, ici, sur jambes semi-tendues, va travailler surtout les ischio-jambiers, les fessiers, les lombaires, les muscles de la colonne vertébrale, les spinaux. Deuxième avantage, c'est qu'il va vous apprendre à placer votre dos dans la vie de tous les jours. Quand vous devez porter quelque chose, hein, on apprend souvent, on dit qu'il faut fléchir sur les jambes, mais selon les accessoires qu'on a à porter, c'est pas toujours vrai, c'est pas suffisant. Parce que si je prends un gros truc comme ça ici, là, je fléchis juste sur mes jambes, ben là, je me fais mal au dos. Hein, parce que le poids, il est devant, je me ferai mal au dos. Donc pour le porter, c'est ici, dos cambré. D'accord? Donc travaillez ça avec un bâton, un manche à balai pour maîtriser ça. Là, on va essayer. Ici, je me mets face à mon haltère. Je déverrouille les jambes, je sors la poitrine, je descends jusqu'à agripper mon haltère. Ici, je remonte. Donc la barre, l'haltère glisse le long de la cuisse. Je descends ici. D'accord? Je me mets face à vous. Ici, l'haltère, je sors la poitrine toujours, glisse le long des jambes et reviens. Donc ici, le profil, cherche bien à travailler les ischio-jambiers. Ici, et on revient. Ok? On va en faire 10 juste pour voir comme ça. Donc on sort bien la poitrine. Donc là, on n'est pas totalement le poids sur les talons, on est vraiment le poids sur tous les pieds. Les épaules avancent bien en avant, les fesses en arrière. Donc les épaules dépassent la barre, les haltères. Je descends, je reviens. Ok? Allez, parti pour 10. Ici, 1, 2, 3. Donc les épaules doivent toujours dépasser la barre quand on descend. 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10e, et 10. Ok, et quand on repose, on fléchit, on écarte les jambes, on fléchit, on repose doucement. Ou alors on repose et on les souffle comme ça, en cambrant bien le dos. Ok? Donc on va attaquer le premier tour, enfin 15 répétitions. Jambes, moi je vais commencer la jambe droite, la jambe la plus faible devant, en fente. Je vais enchaîner, donc sur 15 répétitions en fente, je vais enchaîner 10 répétitions soulevé de terre, jambes semi-tendues. 30 secondes de pause, d'accord? On récupère un petit peu. On repart, jambe gauche, 15 répétitions, 10 répétitions soulevé de terre. On récupère, 30 secondes à peu près, et on repart, d'accord? On est parti, jambe droite devant, je me mets face à vous, ici, jambe droite devant, pour les fentes, donc 15 reps, ok? Allez, c'est parti, on descend, 1, 2, restez gainé, fixez un point devant vous au sol, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, encore 2, 14, 15, ok? Donc là, je prends mon haltère et 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambrez bien le dos, hein. 8, 9 et 10. Ok, on repose le poids doucement sans arrondir le dos. Juste quand je fais le soulevé de terre, là,
je remonte pas ici, d'accord? Je surcambre pas le dos, ok? Là, il n'y a aucun intérêt, ok? Je remonte ici, c'est-à-dire je suis pas totalement droit, je suis légèrement penché en avant, qui fait que je maintiens une tension constante sur les lombaires, d'accord? Donc dans 10 secondes, on va faire la même chose, en partant l'autre jambe devant, fente jambe gauche devant, dans 5, 3, 2, 1, allez c'est parti, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on descend bien, 7, contrôle bien son genou, hein. 8, bien dans l'axe des pieds, 9, 10, 11, soufflez bien, 12 quand vous montez, 13, 14, 15, hop, prends le poids et parti pour 10, 1, 2, voilà, je monte pas complètement du tout, 3, je maintiens une tension constante, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je repose doucement, je cambre le dos. Ok, si vous ne maîtrisez pas la cambrure de dos, descendez beaucoup moins bas, d'accord, pour apprendre le mouvement, vous faites sans poids, d'accord, sans poids ça ne va pas impacter le muscle, par contre ça va me permettre d'améliorer la posture, faites-le avec un manche à balai dans le dos par exemple. Première séance, pas grave, faites avec le manche à balai dans le dos, 10 répétitions, d'accord, vous allez le faire jusqu'à ce que la posture soit acquise, que le dos soit facile à assimiler, d'accord, à mieux maîtriser la posture. C'est très important, sinon quand on va avancer, vous allez vous faire mal au dos. Ça se trouve même là, vous allez vous faire mal au dos. Allez, jambe droite devant, on repart. Allez, c'est parti, 15 reps encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok, hop, c'est parti pour 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, 30 secondes, la jambe gauche après. N'hésitez pas à avoir un coup régulièrement, des petites gorgées. Restez toujours concentré. Très important, cet exercice sur les cuisses, de rester focus sur la posture. Parce que sinon, vous allez avoir plein de pathologies au niveau des genoux, du bassin, du dos. Donc restez bien concentré. Jambe gauche devant. Ok. Ici, c'est parti, 15 reps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allez, levée de terre, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je glisse le bas, le 9, l'haltère entre les jambes, 10, je repose doucement, hop, ok. Alors là, on va voir ceux qui maîtrisent, on va voir plus lourd, donc là avec deux haltères, ok, on va partir sur 12 répétitions. Si vous ne maîtrisez pas, ne changez rien. Je vous conseille vraiment de rien changer. Tant que la maîtrise n'est pas naturelle, que la posture n'est pas naturelle, que c'est compliqué, mettez pas plus lourd, d'accord? Conservez votre posture. Une fois que c'est acquis, vous changez. On met plus lourd. 12 répétitions. Jambe droite devant. C'est parti. Hop. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12. Ok. Devant. Là, je passe les haltères devant. Je vais glisser les haltères le long des cuisses. Je sors la poitrine. Ici, je descends. Je remonte. 1. 2. Donc, j'ai les jambes un peu plus écartées. 3. 4. Je pousse bien les fesses en arrière quand je descends. Et les épaules avancent. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10e. 10. Je descends. Hop. Ok. 30 secondes. Avant de faire la jambe gauche. Donc pareil, à 4 tours. Soufflez bien. Vous allez sentir les fessiers, les ischios, les fentes, on sent aussi les quadriceps, le fait de pousser sur la jambe arrière, les quadriceps travaillent aussi. Bon là, il y a quand même beaucoup l'accent sur les fessiers, les ischios jambiers, les lombaires. On va y aller. Ok, on reprend. Donc, jambe gauche devant. C'est parti pour 15, pour 12. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, je vais de terre. Parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10. On descend, on fait gaffe à son dos. Ok. Dernière série. Ok. Donc quand vous la refaites, vous mettez plus dur, plus lourd, vous gérez. Toujours posture propre. On ne néglige pas cette posture. Donc 15 secondes. Dernier tour. Donc les lombaires, le lien vers la chaîne postérieure. On va beaucoup travailler dans cette séance. Allez. Jambe droite devant. Jambe droite devant. Ok. C'est parti pour 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toujours on appuie sur le talon de la jambe avant. 8, 9, 10, 11, 12. Allez, c'est parti, 10, soulevez de terre, 1, 2, 3, 4, levez pas la tête quand vous faites le soulevé de terre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on repose doucement, ok, 30 secondes, quand vous faites le soulevé de terre, levez pas la tête. D'accord. La tête, c'est comme si vous avez une minerve autour du cou. La tête se lève pas, se baisse pas, arrête d'aligner avec la colonne. Encore une fois, filmez-vous pendant vos séances pour vous auto-corriger, d'accord, pour contrôler tous vos mouvements. Hein, surtout les fentes. Il y a plein de trucs à corriger, plein de trucs à contrôler. Soulever terre aussi, ça peut être dangereux. Allez, jambe gauche devant. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Allez, dernière série. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Ok. Filmez-vous, toujours cambré. Même quand vous poussez, portez vos haltères ici, là. Peu importe comment on le porte, les jambes là. Si j'ai toujours le dos cambré. Ici, peu importe. Je garde toujours une légère cambrure de dos. Ok, on va reboire un petit coup. On va passer sur le haut du corps.
Ok. Soufflez bien, récupérez. Celui-là, ça va être dur. Encore une fois, les lombaires vont beaucoup prendre. C'est dur sur les lombaires aussi. On va faire un travail de dos avec une grosse tension sur les lombaires. Ok. Alors, je vous montre l'exercice. Un peu comme le soulevé de terre tout à l'heure. Les jambes un peu fléchies. Ici, je pousse les fesses en arrière. Les mains glissent le long des cuisses. Et quand je suis bien baissé, la poitrine sortie, donc presque parallèle au sol. Donc la inclinaison est importante. Si je ne suis pas assez incliné, je vais être que sur les trapèzes. Et moi, je vais vraiment être sur toute la partie haute du dos, ici. Donc si je m'incline que là, c'est surtout les trapèzes qui vont prendre. D'accord ? M'incliner ici, c'est trop bas, c'est difficile d'avoir le dos bien droit. En plus, le bassin plus haut que la tête, on va avoir mal à la tête. Donc essayez de descendre. Ici, poitrine ouverte, hop, d'accord, presque pareil au sol. Les bras quasiment le long des cuisses, enfin au-dessus des pieds en fait, alignement. Ici, je sors la poitrine, je tire les coudes en arrière. Donc les mains glissent quasiment le long des hanches, là, pas ici. La grosse erreur, c'est à tirer les mains vers la poitrine, ok. Ça, c'est la première grosse erreur. Tirer les mains vers la poitrine, c'est pas bon. Deuxième erreur, c'est tirer comme ça en gardant les épaules enroulées en avant. On garde la poitrine sortie, ici. Là, d'accord. On garde la poitrine sortie, ici. Ok. On va essayer une dizaine de répétitions, sans poids, sans rien, pour voir si la posture est bien maîtrisée. Ok. Ici, sans rien, je descends, je sors la poitrine. On va faire 10 reps en sortant bien la poitrine. 1, 2, même sans rien, je dois pouvoir sentir le dos. 3, alors ça va pas être dur, mais je dois sortir le dos. 4, 5. Je mets bien les épaules en arrière, je tire les coudes en arrière. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On va essayer avec les disques. Ici, hop, hop, on prend les haltères dans les mains, les disques dans les mains. On va essayer comme ça, 6-7 reps pour voir comment on est. Ici, et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok, donc là vous devez sentir, il n'y a pas lourd, hein. Vous devez sentir le dos, le haut du dos et beaucoup les lombaires. Les fessiers, les ischios vont aussi beaucoup travailler, surtout qu'on les a déjà bien pré-fatigués juste avant. Donc cet exercice-là, il est très complexe parce qu'on peut très facilement tricher, c'est-à-dire faire ça, se redresser petit à petit. Donc encore une fois, filmez-vous parce que vous allez voir au début, à chaque fois ça donne ça. Soit les épaules sont enroulées comme ça, les mains montent au niveau des épaules, et quand on a bien la posture, ça fait souvent ça, on finit par se redresser, d'accord. Donc contrôlez bien le mouvement. On va commencer 15 répétitions avec les poids légers, ok. Je prendrai une minute de pause à chaque fois, une minute de pause. On va faire deux tours 15 répétitions et après on va voir si on peut être plus lourd ou pas, ok. On est parti. Donc 15 répétitions, hop, je mets face à vous, je sors la poitrine, ici, donc les jambes pas trop écartées, sinon ça va être gênant, je sors bien la poitrine et j'y vais pour 15. 1, je mets bien les coudes en arrière, 2, et je pousse les épaules en arrière, 3, 4, je ne cherche pas à amener les mains aux côtes, 5, 6, 7, 8, 9, rentrez le ventre aussi. 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok, on prend une petite minute de pause. Il est tellement technique celui-là, tellement compliqué techniquement que je vous conseille d'abord de vraiment pas faire lourd pour bien sentir le dos. Si vous sentez les biceps, que les biceps, c'est que le mouvement n'est pas bon, c'est que vous fléchissez trop les bras. D'accord, l'avant-bras est trop fléchi sur le biceps et que l'épaule a forte tendance à s'enrouler vers l'avant. Partez bien. L'épaule en arrière et le coude y suit. Dans votre tête, ce n'est pas les mains qui se rapprochent, c'est l'épaule qui part en arrière et le coude qui est tiré en arrière. La main n'a pas besoin de venir coller aux côtes. D'accord, si on a les longs avant-bras, certains vont toucher, certains pas du tout. D'accord. Donc cherchez vraiment à sortir la poitrine et tirer les coudes en arrière. Ok. On va partir dans moins de 10 secondes. On prend les poids.
Vous allez beaucoup sentir les lombaires, hein, c'est normal. Vous ne devez pas avoir mal, vous devez sentir musculairement. D'accord ? Pas à niveau articulaire. On est reparti pour 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va se concentrer sur les épaules. 9 et les coudes qui partent. 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok. Donc, si vous maîtrisez parfaitement, pas à peu près, mais parfaitement l'exercice, on va essayer un peu plus dur avec 12 répétitions. D'accord ? Une maîtrise parfaite. Il n'y a pas une seule fois le dos qui s'est arrondi. D'accord ? Parce que là, c'est surtout, c'est dangereux. Alors, les mains qui se rapprochent ici, c'est pas dangereux en soi, sauf qu'on n'est pas sur le bon groupe musculaire, c'est pas intéressant. Les épaules enroulées, c'est plus gênant parce que vous allez travailler petit pectoral plus le grand dorsal, ça peut créer des pathologies à long terme. Pas intéressant non plus. Donc, contrôlez parfaitement le mouvement. Épaules en arrière, les coudes qui suivent. Pas les mains, on tire pas les mains, d'accord? C'est les coudes qui tirent en arrière. C'est pas pareil. Donc là, j'en vois ici plus dur. Donc moi, là, il y a beaucoup plus dur, hein. Je passe du simple au triple, mais je connais déjà l'exercice, c'est des poids que je gère, ok, d'accord, donc soit juste au milieu, vous mettez un petit peu plus dur, puis vous ajustez petit à petit, ok, là c'est juste pour montrer ce qu'on peut faire avec deux haltères. Donc là, comme le soulevé de terre au début, je me place, je lève, ok, donc je vais rester ici de profil, on va partir pour 12 répétitions, donc les jambes pas trop écartées, je sors la poitrine, ici, les haltères sur les côtés, et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, les haltères glissent le long des hanches, 7, 8, 9, 10, je lève pas la tête, 11, 12, je repose, dos cambré, et je relâche, ok? Il y a beaucoup d'infos sur cet exercice, beaucoup d'infos, donc maîtriser la posture avant de mettre lourd. Quand on le maîtrise bien, après on se sent redressé. On se sent, c'est vraiment exagéré, on se sent vraiment redressé comme ça. Les épaules sont tirées en arrière. Si on ne le fait pas bien, on peut sentir alors, le dos déjà, vraiment pas bon. Le bas du dos, on se fait mal, on n'est pas bien. Et on peut sentir le petit pectoral et les biceps. C'est que le mouvement n'est pas parfait. D'accord ? Allez, dernière série. Donc, check cette technique. Le prochain est beaucoup moins technique, mais il sera dur quand même, beaucoup moins technique. Dans 10 secondes, dans 5, 3, 2, 1, allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est vraiment la poitrine qui sort. 10, 11 et 12. Ok. Ok, rebuvez un coup. Allez. Il nous reste. Ok, le dernier exercice, ça sera des pompes en fait. Donc on ne va pas utiliser des haltères. Des pompes avec des variantes pour le plus dur. Alors, c'est pas le dernier exercice. C'est un exercice complet sur le haut du corps. Après, il y aura des bras rapides et des abdos. Ok, donc là, je peux utiliser les haltères sur le côté. Ok, on les reprendra plus tard. On va voir les pompes. Alors, les pompes, tout le monde peut faire des pompes. D'accord ? Tout le monde, peu importe la force qu'on a, tout le monde peut faire des pompes. J'ai pas beaucoup de force, j'aime pas de force vraiment. Les pompes, c'est vraiment mon gros problème, c'est mon gros point faible. Et ben, je prends un support, plus ou moins haut. Plus il va être haut, plus ça va être facile. Et je peux me mettre sur les genoux. Ici, là, sur les genoux. Ici, et là, je descends. Et je remonte. Là, pour l'instant, je ne m'embête même pas avec les fesses. Ce qui m'intéresse, c'est que les épaules soient sorties le plus possible de la tête. Là, je descends. J'amène la poitrine ici, donc entre les mains, et je repousse. Ok ? On va dire, ça, c'est un support. Ici, là, donc les fesses, ici, penchées en arrière. Je descends, je remonte. D'accord ? Là, je monte. Les fesses en arrière, ici, je descends, je remonte. Donc ma tête, elle tourne à cause du mur. Ok ? Au sol, ça fait ça. Ici, je sors la poitrine le plus possible, je descends,
je remonte. Ça, c'est une pompe. Hein. C'est une pompe. Je respecte mes articulations de l'épaule. Je suis vraiment, je ne veux pas me blesser. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Vous voyez, les coudes qui dépassent les épaules. Là, je vais me faire mal aux épaules. Ok. Donc, on écarte un peu les mains. Ici. Là. Donc là, largeur épaule. C'est les pecs dans son ensemble. Je vais travailler pec et triceps. Je vais ouvrir un peu plus. Ce que je cherche à cibler les pecs. Donc, je vous montre ici. Je descends. Et je remonte. Je suis à l'aise. J'éloigne les genoux. Donc, et j'installe un gainage en plus. Mon dos, mon bassin, épaule, suit. Ok, je descends doucement. Là, je remonte. D'accord, donc la poitrine est bien au niveau des mains. Donc essayez avec moi, ici, sur les genoux ou la version d'avant. On descend doucement. On remonte. Ok, on en fait 5 comme ça. 1, 2, 3, 4. 5. Ok. Si c'est facile, on va le faire sur les pieds. Donc ici, les jambes tendues. Donc les mains plus larges que les épaules. Ici, on descend. On va faire 5 ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Donc on va le faire comme ça. On va essayer de vraiment contrôler sa vitesse d'exécution, donc on contrôle la descente, on fait pas trop vite, d'accord. Vous avez vu en 5 secondes, mes 5 pompes, je fais plus de 5 secondes. C'est pas ça en fait. Je vous montre ce qu'il faut pas faire. Ça, voilà. Là, c'est hyper violent sur les articulations. C'est brut. Mon gainage était bâclé total. Je suis pas connecté avec les pecs, je suis juste connecté avec une histoire d'explosivité sans maîtrise de mon gainage. Alors, ici, le premier tour sur 15 répétitions. D'accord, on va mettre 40 secondes de pause. D'accord, je mets un peu moins que tout à l'heure, parce qu'il y a moins de travail technique et on récupère plus vite. Là, il n'y a pas d'haltère. Donc là, je vais mettre 40 secondes de pause. Et après, on va aller chercher un petit peu plus dur pour les 15 reps qui suivent. Ensuite, la version 12 reps, je vais encore rajouter une difficulté. D'accord. Donc, on est parti pour 15 répétitions à ma cadence. Ici, on s'installe donc sur les genoux, sur un support, jambes tendues, vous trouvez ce qui vous correspond. Ici, et on est parti. 1, 2, à chaque fois je fais un petit temps mort en bas. 3, 4, une demi-seconde quoi. 5, 6, 7, mon gainage n'est pas lâché. 8, les jambes sont tendues. 9, 10, le ventre est rentré, fesses serrées. 11, 12, les épaules basses, 13, 14, les dernières, et 15, ok. À 40 secondes, ok. Et là, ça va être vraiment plus dur. J'ai fait une demi-seconde de temps mort en bas, ok. Là, ce que je vais faire, c'est que la première répétition, je vais attendre 5 secondes en bas. Je vais pré-fatiguer mon muscle. Donc, si c'était dur, vous partez, vous attendez que je compte, et quand je commence à 5, 4, 3, 2, à 1, vous partez d'en bas, vous attaquez. Vous faites une pompe avec nous, d'accord? Vous faites une pompe. Ok? On va essayer. Si c'est facile, vous faites la même version. Vous faites les 5 secondes bloquées en bas. Si c'est dur, vous attendez mon décompte. 5, 4, 3, 2, 1, et à 1, vous attaquez la pompe. Et vous nous rejoignez. On est prêt? Allez, on est parti. 1, on bloque en bas. 5, 4, 3, 2, 1, on monte. Et c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, pas trop vite. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà. Donc, le ventre frotte le sol. Le ventre, la poitrine, tout descend jusqu'au sol. Ok ? Version plus dure, donc ça va être bras écarté ici, donc sur les pieds ou sur les genoux. Ici, je vais descendre sur un bras, je remonte, je descends sur l'autre, je remonte, d'accord. Ici, bras fléchi, hop, ici, d'accord. Donc ça fait, je suis là, je glisse sur un bras, hop, bras fléchi, épaule basse, coude sous l'épaule, je me repousse et j'ouvre et je vais sur l'autre, je me place là, d'accord. On est parti pour 12 répétitions. Donc soit les genoux ou jambes tendues. Pour 12. Donc ça fait 6 d'un côté, 6 de l'autre en fait.
Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok. Oui, c'est beaucoup plus dur. Essayez de surtout bien tendre, plus étendre le bras. Je suis sûr que sur un bras, plus ça va être dur. Parce que là, vous serez vraiment en force que sur un bras. D'accord? Ça dépend sur un bras. Après, vous pouvez essayer en dur. Dès que c'est trop dur, vous faites sur les genoux ou vous faites des pompes classiques. D'accord? Vous restez en pompe classique. Ok? Non, une dizaine de secondes. On va y aller. Ok? Donc, je ne suis pas vraiment surveillé le temps. Précisément, c'est dans à peu près 10 secondes près, ça change pas grand chose, surtout ici. On est dans le début de muscu, c'est quand même dur, comme intense. Ok, plus tard on sera avec des temps vraiment bien précis. Les temps précis c'est important quand même, mais là ce qui m'intéresse c'est plus la maîtrise des techniques. On est parti, 12 reps et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, et 12. Voilà. Ok, on est bien. Alors, souffle. Alors, la suite, c'est, j'ai mon cahier. Alors, on va prendre les disques. Donc, je vous laisse récupérer un petit peu. On va boire un petit coup avant de passer au biceps triceps. Donc, les bras, ça va être rapide. Ok. Donc ici, je prends mes disques, là, dans les mains, les coudes serrés près des côtes, tête au sol, les coudes près des côtes. Donc pas ouvert parce que là sinon je vais être de nouveau sur les pecs et là je vais être surtout sur les triceps. Les coudes assez serrés, les mains, l'haltère au-dessus des épaules. Et là je vais tendre les bras, d'accord? Si je suis ici, là, j'inhibe les triceps, je suis que sur les pecs. Moi je veux cibler les triceps. Donc ici, hop, et là, ok? On essaie une dizaine ensemble avec le poids là, les disques. Là, 1, 2, 3. 4, 5, 6, n'ouvrez pas les coudes, 7, 8, 9, 10. Donc vous allez sentir déjà, c'est plus dur que ça en a l'air, hein, puisqu'on les a bien pré-fatigués tout à l'heure. Donc les triceps sont déjà activés. Là on va se redresser. Ici, je prends les poids, je vais monter ici, d'accord? En prise marteau, donc je vais attraper les poids avec un halter, sera plus, c'est plus pratique, mais là ça va le faire ici, donc comme ça, prise marteau, d'accord? Donc c'est à dire, je garde les mains en position neutre, je les ouvre pas, je les ferme pas, je les garde en position neutre. Je monte ici, ok? Je répète, la poignée, le poignet là ici, vient pas dépasser le coude, il n'y a plus aucun intérêt, le coude reste toujours à l'arrière du poignet, ok? On est parti pour 10 répétitions, là, toujours dans l'échauffement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Donc là, on va prendre les disques, on va attaquer. Donc là, on va pas mettre trop dur parce qu'il y a, j'avais 5 kg. Je vais garder 5 kg et je vais enlever un côté. D'accord ? Je vais mettre 5 kg que sur un côté. Ok ? Donc pour les triceps, je prendrai comme ça, ok, ça sera ici, c'est-à-dire le pouce tourné vers moi, ok, j'appuie le dessus de ma main ici contre l'haltère, ok, comme ça quand je serai tourné, l'haltère est au-dessus face à moi, ok, j'ai tout la barre ici qui viendra sur le côté, ok, sur le côté de mon épaule pour tendre, ok, donc ici pour les triceps et pour les biceps, bah, l'haltère ici, d'accord, là, ok, et après on verra pour 12 reps si on peut mettre plus dur ou pas. L'idée, c'est rester concentré sur le mouvement et ne pas tricher, d'accord? Pas faire de mouvement de balancier. Ok, on s'installe.
Ici, donc 15 répétitions. Je mets sur le dos. Je prends les disques. Ici. Là. Ok, ici. Donc c'est pas comme ça, on n'est pas sur les triceps, c'est un développé triceps. Ok, développé ici, là. Les coudes serrés, les mains, les bras bien fléchis. Et je pousse vers le ciel. Allez. 1, 2, faites attention de ne pas ouvrir les coudes. 3, 4, 5, 6, 7. Tendez pas complètement les bras. 8. Ne tendez pas complètement les bras. 9, comme ça on garde une tension complète. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Si vous jouez le jeu de ne pas tendre complètement les bras, vous avez remarqué que c'est beaucoup plus dur. Ok, allez. Le curl biceps prise marteau. Ici, pour 15. Ok, je reste bien droit, je ne m'avachis pas pour protéger mon dos. Et c'est parti. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous allez sentir beaucoup les avant-bras aussi. 11, 12, on est vraiment sur le bacal. 13, 14, 15. Ok. 30 secondes de pause. Faites attention au biceps de ne pas prendre d'élan comme ça. D'accord. Encore une fois, contrôlez votre mouvement, le coude est bloqué, je descends. Ici, je n'ai pas besoin de claquer le coude, je descends bien. Je monte, je vais un petit peu vers l'intérieur. D'accord. Ici. L'épaule, le coude ne bouge pas, il n'y a pas de balancier. D'accord. Ça, c'est pareil, c'est des erreurs courantes que je peux voir. Ok, on va s'installer pour reprendre. Ok. Donc, dans 10 secondes, même pas, dans 5 secondes, on part pour développer biceps, triceps, je veux dire, triceps. 3. 2, 1, et c'est parti. Fléchis bien les bras. 2, là en bas, fléchis bien les bras. 3, et on ne tend pas complètement les bras quand on monte. 4, 5, déjà j'ai une tension constante. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, hop, allez, les biceps. Hop. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Trichez pas. 12, pour poser si vous n'en pouvez plus, 13, 14, 15, hein. Si vous n'en pouvez plus, comme précédente séance là, vous faites comme moi, vous posez, vous secouez, vous repartez, même si vous ne faites pas totalement les répétitions, toutes les séries. Là, on va rajouter plus dur, si on peut, on se teste, on va chercher plus dur, ok. Donc ça peut être que 2 kg de plus, 1 kg de plus, voilà, moi je mets 5 kg de plus, c'est beaucoup, mais encore une fois, je connais l'exercice, je sais que là, ça va être un poids qui va être très bon. Ok, donc trouvez le juste milieu. On est parti pour les triceps pour 12 répétitions. D'accord, hop, on s'installe, bras bien fléchis, les coudes serrés, et c'est parti pour 12. 1, on tend pas les bras. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok, on pose. Ok, hop. Curl biceps. Ok, ça grandit bien. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. Alors, normalement, vous devez trouver beaucoup plus dur le curl biceps que les triceps. Parce que le développé triceps, on a beaucoup plus de force. C'est pour ça que je vous demande aussi de ne pas tendre les bras. Pour que ça puisse être équilibré. Si
Vous ouvrez trop les bras et vous tendez trop les bras, le mouvement est facile. On fléchit bien et on ne tend pas complètement. Là, je suis en repos. Je garde le bras légèrement tendu. D'accord? Je garde un léger flex. On est reparti pour la dernière. Ok. Bras bien fléchis. On est parti. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok. Ok, le cœur du biceps, on va voir. Donc volontairement, je reste à genoux. C'est pour éviter d'exagérer l'effet de triche. Parce qu'on va avoir tendance à vouloir prendre un effet de balancier. Le fait de bloquer mon bassin en étant en genoux, ça limite. D'accord? On va quand même limiter la casse. Il ne faut pas le faire, on va limiter la casse. Moi, pour vous dire, là, 12, il y a de fortes chances que je relâche, je fasse des pauses et je reprenne un cours de route. D'accord? Le curl biceps, on a beaucoup moins de force qu'au développé triceps. Ok? C'est parti. Allez, go. 1, 2, 3, vous balancez pas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je relâche un petit peu, il reste 2, je cherche pas à avoir de mouvement de balancier, c'est parti, 11, et 12, voilà, et idéalement, on essaie de freiner un petit peu la descente, d'accord, faites pas ça, essayez d'être le plus strict possible. Ok, on va revoir un petit coup et là on va finir avec les abdos. Ok, alors je vous montre. Cet exercice est trop souvent mal fait. Alors, ici, on est sur le dos. Vous connaissez probablement le crunch. Ça, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Ici, ça. Vous connaissez tout ça où on enroule. Là, qu'est-ce qui se passe? Si je monte en ralenti, ici, je suis en train de pousser mon doigt à l'extérieur. Je suis en train de forcer comme une brute ici. Donc, je suis en train de me plier, tasser la colonne et pousser les organes vers le bas. Ok? On va faire cet exercice-là d'une façon intelligente. D'accord? Bien fait. D'ailleurs, je ne vais pas enrouler comme ça en pliant mon ventre. Je vais chercher à serrer le ventre le plus possible, rentrer le ventre et pas amener forcément mes épaules vers les genoux, mais chercher à amener mes épaules un petit peu enroulées, mais vers le ciel. D'accord? Pas ici. D'accord? Je cherche à aller en serrant le ventre. La base, le départ, c'est je serre le ventre. Si je ne serre pas le ventre, je fais juste que ça. Bah, je vais travailler grand droit à l'abdomen, ouais, la tablette de chocolat. Mais je vais aussi pousser les organes vers le bas. Il y a un muscle sous le grand droit à l'abdomen, sous les abdos là. Il y a ce qu'on appelle le gainage, la gaine, d'accord? Le transverse, ce qui va permettre de garder le ventre plat. Donc nous, on veut travailler les abdos. Et le gainage, le transverse, d'accord, qui va me protéger, qui va maintenir ma posture, qui va serrer mes organes, d'accord. Donc je vais serrer le bas du ventre le plus possible, souffler et remonter, là. Donc la tête, elle est baissée, hein, voilà le menton, voilà à peu près à un point du menton de la poitrine, pas en arrière, je regarde loin devant, et je m'agrandis vers le ciel, pas vers mes genoux, d'accord. On va essayer 10 comme ça, on va voir, ici, je rentre le ventre, et je monte, en soufflant bien, 1, 2, 3, 4, cherchez pas le plus haut possible, 5, cherchez à monter doucement en serrant le ventre à chaque fois que vous montez, 7, 8, moi j'écrase le ventre avant même de monter et je maintiens la pression dans le ventre, 9, 10, ok, on maintient bien la pression dans le ventre. Quand vous faites bien, vous allez sentir le bas-ventre et que ça va monter un petit peu sur les côtés. Si vous le faites mal, que le roulement d'épaule, vous allez sentir que le haut. Donc c'est simple, cet exercice est simple en fait. Si vous sentez que le haut, c'est que vous êtes dans le roulement ici. Vous vous enroulez trop. Si vous rentrez bien le ventre et vous cherchez à décoller vers le ciel, un petit peu la verticale, vous allez sentir surtout le bas. Et là, vous êtes bon. Là, vous êtes bon, d'accord? Donc on va faire la même chose avec un disque et on va partir sur 15 répétitions, d'accord? Donc je prends l'haltère dans les mains, donc assurez-vous de mettre bien la sécurité pour pas que l'haltère vous tombe au visage, hein. Enfin ça paraît bête, mais voilà, assurez-vous bien, mettez les sécurités de deux côtés pour pas que, selon les marques, selon le poids que vous mettez, hein, des fois les goupilles de sécurité, elles supportent 5 kg maximum, vous appuyez dessus, ça glisse. Donc on va éviter l'accident, assurez-vous, en fait au début vous prenez le disque, vous voyez ça tient ou pas, hein, d'accord? Une fois que vous l'avez, ici, on tient bien, donc moi je prends ici en pleine main, je pose mes mains comme ça sur le disque, ici, main ouverte,
D'accord? Donc les haltères viennent jamais au-dessus du ventre. Jamais. Ils viennent au contraire toujours au-dessus de la tête. Ok? Donc pour ça que je dis protéger votre visage. Hein, parce que si on met au-dessus du ventre, on va tendance à enrouler ici. On va trop enrouler, d'accord? Au-dessus du visage, au-dessus des épaules, du visage, on est sur le gainage. Et on va partir pour 15. On rentre le ventre et on monte. 1. 2. 3. 4. Serrez fort le ventre. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Serrez fort le ventre à chaque fois, ne cherchez pas juste à monter. 11, 12, 13, 14, 15. Okay, je me repousse du sol en fait à chaque fois, je cherche à bien me repousser, me décoller, d'accord? Faites attention de ne pas amener, pas, surtout pas l'haltère au niveau du bassin, quoi, surtout, sinon vous allez vous enrouler, d'accord? Vraiment au-dessus du visage, au-dessus des épaules, comme repère, c'est le mieux. Les abdos récupèrent très vite. Alors, on est reparti, une série de 15. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. La tête rentre aussi, hein. 4, le menton. 1, point de la poitrine, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on souffle bien la montée, 13, 14, et 15, ok. Ok, on va essayer, si c'est assez dur. Si c'est déjà très dur, on reste là-dessus. Si on peut, on va faire avec les deux haltères. On sera pareil, on prendra dans les mains ici, et on montrera les deux sur 12 répétitions, encore une fois. Sauf que là, je diminue encore le temps de repos, hein, il n'y a pas beaucoup de repos. On est parti pour 12. 1. Donc les haltères restent au-dessus de la tête. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, soufflez à monter, 9, 10, 11, 12, ok, on récupère 20 secondes, on va repartir, donc la nuque elle travaille aussi, hein, si vous avez trop mal à la nuque, vous mettez les mains derrière la tête, la nuque se renforcera petit à petit, hein, à force ça va s'enfoncer, vous serez habitué, ok, donc gardez bien toujours un point, le menton de la poitrine, 2, 1, c'est parti pour les 12 dernières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok. On relâche, on reste sur le dos. Ici, on va chercher à étirer tranquillement. On va tendre les deux jambes. Ici, on s'agrandit bien. On pose les épaules vers le bas, d'accord? Comme si on voulait amener les omoplates vers les poches arrière du pantalon. On les abaisse. Ici, voilà. Je cherche à fixer un peu, à détendre les trapèzes au cas où ils ont trop travaillé. Soulager la nuque. Ici. Là, on va chercher maintenant à s'agrandir. On tend les bras en arrière le plus possible. Voilà, on s'agrandit bien. Pousse sur les talons, on s'agrandit bien, on tend les jambes le plus possible. Voilà, ok. Là, on va pivoter tranquillement. Venir les jambes fléchies ici, d'accord? Là, les bras, les mains l'un sur l'autre, position fœtus. Et là, je vous montre avant, d'accord? Je vous montre avant. Là, je vais chercher à ouvrir, amener le bras le plus loin possible derrière sur 3 secondes et je reviens, d'accord? On va faire ça 3 fois, d'accord? Donc là, je souffle. Je vais loin derrière, d'accord? Je maintiens, 1, 2, 3, je reviens. On fait ça 2 fois, on souffle, 1, 2, 3, on revient. Encore une fois, 1, 2, 3, ok, on revient. Ici, on va se mettre sur le ventre, le bras gauche tendu, d'accord, donc un bras tendu, mais sous la ligne des épaules. Là, le pied droit fléchi, comme si je voulais amener le pied
sur le haut de la cuisse. Je vous montre avant à chaque fois. Le pied est sur le haut de la cuisse. Là, je vais poser le pied au sol. Je vais chercher à mettre le pied à plat au sol et ouvrir le genou. D'accord? Ça va mobiliser la hanche et étirer le pec. Ok? On est prêt. Pareil, on va faire ça. On va tenir 2-3 secondes, c'est tout. Donc la tête tournée du côté opposé du bras tendu. Ici, et on y va, on ouvre. 2, 3. On revient, on reprend. 1, 2, 3. On revient, on reprend une dernière fois. 1, 2, 3. Ok. La même chose de l'autre côté. Donc le bras droit tendu, là le bras gauche fléchi. Le pied arrière, comme si je voulais amener sur le haut de la cuisse. Je pivote, d'accord? 1, 2, 3. On revient, on reprend, on ouvre bien. 1, 2, 3. On fait doucement, hein. On cherche à étirer le pec et mobiliser la hanche. 1, 2, et 3. Ok. On se redresse doucement sur les bras, ici. Genou largeur bassin, main largeur épaule. Je mobilise le dos, donc dos cambré, bras tendu, j'arrondis le dos, je cambre le dos, en inspirant, bras tendu, j'arrondis le dos, je reprends, dos cambré, j'inspire, et j'arrondis le dos, ok, et là, doucement, je vais me redresser, les jambes fléchies, les mains qui agrippent les pieds, je vais chercher à tendre doucement, vraiment doucement, chercher à tendre les jambes, étirer le disque jambier. Je maintiens 5 secondes. 3, 2, 1. Je fléchis les jambes, les mains sur les genoux. Je me redresse. Pareil, je me tiens au mur pour me stabiliser. La jambe fléchie, talon fesse, je m'agrandis. 5 secondes, pareil. 2, 1. Pareil, de l'autre côté. Ici, voilà, 5. 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche. Et là, on s'agrandit bien. Et on relâche. Ici. Et ça sera bon pour aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Donc voilà, vous avez vu, hein, ça fait partie d'un programme que je suis en train de réaliser. Donc j'espère vraiment que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de ce que vous pensez de cette séance, si ça vous a plu ou non. J'aime beaucoup vos commentaires, ça me permet d'avancer, ça me permet de construire les séances, de répondre à vos demandes en fait, d'amener des séances qui correspondent à ce que vous recherchez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !